إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك يا سيدي وحبيبي وعظيمي وقائدي وقدوتي وقرة عين محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، حبيب الله وخليله، خاتم النبيين والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Toutes les louanges vont à Allah, Seigneur des univers. On loue Allah tabaraka wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il a sur nous. Certes, celui qu'Allah guide, il ne sera égaré. Celui qu'Allah égare, il ne trouvera personne pour le remettre sur le droit chemin. En outre, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul sans associé. J'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Frères et sœurs en islam, nous voilà en train de recevoir ce hôte de prestige, cet invité d'Allah Azza wa Jalla qui nous vient tous les ans pour nous rendre visite et pour nous motiver à renouveler nos engagements et à renouveler nos engagements avec Allah Azza wa Jalla en prenant des résolutions. Ce mois béni qui est le mois du Ramadan. L'ikhwa al-akhawat fadhayat halla alayna hadha al-shahr al-mubarak, shahr Ramadan, shahr al-Qur'an. Dhaif al-Rahman. جاءكم رمضان فجاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم شهر رمضان فرض الله صيامه النبي صلى الله عليه وسلم نودي dans le sens du hadith prophétique rapporté par l'imam Ahmed dans son musnad le ramadan est venu à vous Allah vous a prescrit son jeûne Allah فرض صيامه الله تعالى يقول في معنى الحديث تفتح فيه أبواب السماوات les portes des cieux s'ouvrent, les portes du paradis s'ouvrent chaque jour. Et les portes de l'enfer s'enferment. Et les démons, les shaitans seront enchaînés. Et il se trouve qu'il y a une nuit pour Allah Azza wa Jalla dans ce mois béni, qui est mieux que mille mois. Il parle bien évidemment dans ce hadith, Laylat al-Qadr. Jusqu'à la fin du hadith. Donc ce mois béni, Allah nous a prescrit son siyam, son jeûne. Farad Allah siyam, yajib an nuhaqqiq muqtadayat hadha siyam. Il faut qu'on réalise les implications et le but de ce jeûne. Le but de ce jeûne, c'est réaliser la piété d'Allah Azza wa Jalla. Kutib alaykum siyam, kama kutib ala ladhina min qablikum, la'allakum tattaqoun. Certes, il vous a été prescrit le jeûne du mois du Ramadan, comme il a été prescrit aux autres communautés qui vous ont précédé, afin que vous réalisiez la piété. Ou encore mieux, la crainte révérentielle. C'est-à-dire, surveiller Allah Azza wa Jalla dans les petites choses, ce qu'on fait dans les petites choses comme dans les grandes. Ça veut dire suivre le prescrit d'Allah Azza wa Jalla et s'éloigner de ses interdits. فرض صيام فجاءنا هذا الشهر الكريم أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات حتى يتسنى لكل منا أن يجدد عهده مع الله ويجدد التوبة مع الله ويجدد الأوبة مع الله حتى يحقق معنى التقوى في آخر المطاف في آخر شهر رمضان حتى يكون من المعتوقين يعتق الله عز وجل يعتق رقبته من النار ويدخله الجنة ويحفظه الله ويرضى عنه. Le but ultime quand on veut réaliser cette crainte révérentielle spécialement dans ce mois béni afin d'avoir l'agrément d'Allah, afin d'avoir la satisfaction d'Allah, afin d'être affranchi du feu de l'enfer, à savoir que Allah, comme le dit le prophète, dans le sens d'une autre tradition prophétique dans un autre endroit, où Allah, chaque jour de ce mois béni, Allah affranchit des personnes du feu de l'enfer. Donc fais en sorte que tu sois parmi eux. Toutes les portes du paradis seront ouvertes et toutes les portes de l'enfer seront fermées. Donc cette opportunité qu'on a, si seulement chacun de nous se donne les moyens, en ramenant des actions concrètes sur le terrain, entre une intention et une bonne intention qui est suivie par une bonne action. Et l'intention et l'action vont dans le sens des prescriptions d'Allah Azza wa Jalla. C'est à ce moment-là que tu peux dire, ou je peux dire, Inch'Allah, que Allah accepte. Tu fais tahvi al-abwab, ou tu relâches l'abwab al-jahannam, ou tu saffat fihi maradat al-shaytan, c'est-à-dire que tous les démons, ils seront enchaînés. Là, on dit, ouais, c'est shaytan qui m'a fait. Mais pendant ce mois béni, tu as cette opportunité de doubler d'efforts.
وفيه ليلة خير من ألف شهر. Et que te dire de Laylat al-Qadr? Laylat al-Qadr, c'est une nuit spéciale. On laisse Laylat al-Qadr une séance spéciale pour Laylat al-Qadr. Alors, que vous dire? بما أوصيكم بما أوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة الأخوات الفضائيات، الله الله في القرآن في هذا الشهر. الله الله لو كون الله عز وجل سي لي باول الله بارلي أ ديو أفيك فوتخ كور بارلي أ ديو أون ليزون القرآن الكريم. الله الله في القرآن، الله الله لو كون الله عز وجل ليزي القرآن. Faites vous un programme où vous allez lire combien de pages, combien de hijb, combien de fois vous allez clôturer. Lisez, méditez et pratiquez. La lecture, comme dit Hassan al-Basri, vous avez une lecture simple, ensuite une lecture avec une méditation, ensuite une lecture avec la mise en pratique de ce que Allah nous a demandé. Allah Allah fi salat. أيها الإخوة الأفاضل والفضليات، الله الله votre prière، restez persévérez dans la prière، faites-vous 5 prières quotidiennes à l'heure، et si vous seul, si seulement si vous pouvez les faire dans, en groupe dans une mosquée c'est encore mieux. الله الله في صلاة التراويح، الله الله la prière de nocturne, la prière de التراويح، si seulement tu peux les faire en groupe ou ne serait-ce de rak'at chez toi ou 4 ou 8 ou 12 ou 11، ce qui est recommandé par le Prophète صلى الله عليه وسلم، c'est 11 rak'at avec Cheikh Ulwit. الله الله في الصدقات، dépenser dans le sentier d'Allah c'est un mois. Et un mois de négoce, et un mois de travail, et un mois de commerce avec Allah Azza wa Jalla. Plus tu donnes, Allah te le rendra mieux. Et le Prophète sallam, il faisait beaucoup de salat, il lisait beaucoup le Coran, et il donnait beaucoup dans ce mois béni. On aura inchallah l'occasion de revenir sur ce mois béni dans d'autres assises bidnillah. Sur ce, je vous dis, taqabbalallahu minna wa minkum as-siyam wal-qiyam, ghafarallahu lana wa lakum, a'anallahu ala al-amal as-salih. Fi hadhihi al-hayat al-dunya, Ramadan mubarak. لكل المسلمين في كل أنحاء العالم ولا نختم المجالس إلا بالصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.